Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre où on va parler sauvegarde sur Lightroom. Alors, on va parler sauvegarde, mais on va surtout parler récupération parce que faire une sauvegarde sans savoir la récupérer, ça ne sert pas à grand-chose. Pour ce premier chapitre, on va regarder l'importation des photos. Je vous ai déjà montré qu'on pouvait faire une sauvegarde, mais on va regarder un peu à quoi ça sert. Donc, fichier importation des photos. D'accord, je vais en prendre quelques-unes. Voilà, je vais prendre celle-là, celle-là et celle-là, imaginons, pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et ici, j'ai créé une seconde copie sur e-formation. Donc, e, c'est un disque de backup que j'ai sur mon ordinateur. Et j'ai créé un répertoire formation juste pour l'occasion. Pourquoi c'est un autre disque? Faire une sauvegarde à l'endroit où vous mettez vos photos. Je vous rappelle que moi, mes photos, je les mets sur le disque E. Ça n'a strictement aucun intérêt. Je veux dire, si votre disque dur il tombe en panne, vous perdrez vos photos et vous perdrez vos sauvegardes. Donc, dès que vous voulez commencer à traiter le sujet sauvegarde, la première manip à faire, c'est d'acheter un deuxième disque dur. Alors, vous pouvez acheter un disque dur externe, USB, comme vous voulez, mais il faut que ce soit un deuxième disque dur. Si vous faites ça sur le disque dur principal, vous prenez énormément de risques. Donc là, moi, c'est un deuxième disque dur, je vais importer mes trois photos. Il m'importe mes trois photos, c'est parfait. Je vais aller voir ce qui s'est passé maintenant sur mon disque dur. Donc dans Lightroom, vous pouvez voir où sont vos photos quand vous faites clic droit et vous avez affiché dans l'explorateur. Donc je vais aller voir ce qu'il a fait dans l'explorateur. Donc dans l'explorateur, j'ai ici des photos qui ont été prises le 12-10 et il m'a mis mes trois photos à l'intérieur. Maintenant, allons voir ce qu'il a fait sur le répertoire e-formation. Sur le répertoire e-formation, il a créé un autre répertoire importé le dimanche 19 octobre. Lightroom fait cette sauvegarde en fonction des jours d'importation et aujourd'hui on est le 19. Si j'importe des photos demain, il me fera importer le 20 et ainsi de suite, le 21, 22, 23. Donc ça, c'est une sauvegarde, c'est un peu un puits sans fond, hein, c'est-à-dire que ça va garder vraiment toutes vos importations. Moi, au bout d'un moment, je vais faire un peu de ménage là-dedans, j'efface les informations qui ont plus de 6 mois, parce qu'autrement, ça peut faire quand même un volume assez conséquent. Si vous avez 10 années de sauvegarde là-dedans, ça va vous faire quelque chose de lourd. Mais dans l'idéal, il faudrait garder tous ces répertoires, comme ça, vous auriez vraiment toute la copie de toutes les photos que vous avez faites. Bon. Moi j'efface, comme je vous dis, mais chacun fait un peu comme il veut. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, j'ai mes trois photos qu'il a sauvées, tout simplement. J'ai les CR2, moi je travaille en RAW. Il les a simplement mis là-dedans. Alors, on va commencer à faire des petites erreurs de manip. La première manip qu'on va faire, on va aller dans Lightroom et on va effacer une photo. Donc je retourne dans Lightroom. Voilà, puis je vais prendre cette photo qui est là, ici, c'est la 5717, hein, ça se voit ici, 5717. Et je vais l'effacer. Donc je vais faire sup et je vais la supprimer carrément du disque. Je fais une erreur de manip, supprimer le disque. Et là je me dis, ah non, merde, je me suis gouré, je voulais pas la supprimer. Alors comment je fais pour la récupérer cette photo? On va déjà voir ce qui s'est passé sur le disque, hein. Je vais retourner dans le répertoire où il y a les photos. Donc dans le répertoire où j'ai importé mes photos, j'ai plus que deux photos, hein. J'ai dit supprimer du disque, lui il a supprimé, hein. Il ne se pose pas plus de questions que ça. Donc je vais maintenant retourner dans Lightroom. Et je vais simplement faire importer des photos. Je vais aller sur mon disque i, formation, les photos importées le dimanche 19 octobre. Il y en a deux qui sont grisées parce que j'ai fait ne pas importer les éventuels doublons. Et ces deux photos-là sont déjà dans le catalogue. Par contre, la troisième que j'ai effacée, elle n'est plus dans le catalogue. Et donc, je peux tout simplement la réimporter. Je vais garder, créer une seconde copie sûre pour vous montrer ce que ça fait. Donc je fais importer. Et donc là, il m'importe la photo, hein, simplement. Et si je vais dans le répertoire, ici, j'ai bien mes trois photos. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait sur le répertoire de sauvegarde? Sur le répertoire de sauvegarde, il a simplement créé la même photo tirée 2. Donc vous voyez, il n'a même pas écrasé la première, il en a créé une deuxième. Donc il a même fait une sauvegarde de sa sauvegarde. Maintenant, on va faire une erreur de manip, mais plus une erreur de manip Windows ou Mac, si vous êtes sur Mac, on va aller effacer une photo. Donc je suis dans le répertoire de mes photos et on va dire que par erreur, un fichier disparaît, il est corrompu. Là, je vais l'effacer à la main. Allons-y, voulez-vous le mettre à la corbeille? Oui, voilà, il est effacé et je vais aller dans Lightroom voir ce qui s'est passé. Dans Lightroom, vous voyez que sur la photo que j'ai effacée, il y a un petit point d'exclamation qui apparaît. D'accord? Il me dit, la photo, je la trouve pas. Je ne sais pas où elle est.
Alors là, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez cliquer par exemple sur le point d'exclamation et va vous dire, j'ai pas réussi à trouver la photo, il faut la rechercher. Donc j'appuie sur rechercher. Là, il m'ouvre le répertoire où sont mes photos et il me dit où est-ce qu'elle est. D'accord? Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pourriez aller sur le disque de sauvegarde et sélectionner la photo, mais en fait, le problème, c'est que là, il va pas copier la photo au bon endroit. La photo, vous voulez qu'elle soit là, pas dans le répertoire de sauvegarde. Donc moi, dans ces cas-là, je vais pas utiliser ça, je vais plutôt aller dans la sauvegarde et je vais aller recopier la photo au bon endroit. Donc là, je vais faire annuler. D'accord? Donc là, j'ai toujours mon point d'exclamation. Je vais dans mon explorateur là où j'ai mes sauvegardes. Voilà, j'ai mes sauvegardes qui sont là. C'est celle-là que j'ai effacée par erreur. CTRL-C pour la copier. Sur Mac, vous savez sûrement comment faire. Je vais là où il y a mes photos. Je fais CTRL-V. Je retourne dans Lightroom pour voir ce qui se passe. Et mon petit point d'exclamation, il a disparu parce qu'il a retrouvé la photo. Donc, vous voyez que grâce à cette sauvegarde à l'importation, vous pouvez quand même corriger deux erreurs de manip. La première erreur de manip, c'est j'ai effacé une photo dans Lightroom en me gourant tandis que je ne voulais pas l'effacer. Et la deuxième erreur de manip, c'est j'ai mon fichier qui a été corrompu sur mon disque dur ou pour une raison que je ne connais pas, ma photo a disparu de mon disque dur. Ben, vous pouvez quand même la ramener. Voilà, merci.